Quatre jours, trois nuits, deux brèches, des glaciers, des lacs, deux monts, du courage, de la fatigue, de la douleur, de la volonté, mais surtout une satisfaction d'avoir réussi ce périple de 4000 mètres de dénivelé positif cumulé et d'atteindre le troisième point culminant des Pyrénées, le Mont Perdu. C'est jour quoi là? Jour 1. C'est la promise quoi. Ah, c'est la promise de promise. Et on va ouf, ouais. Toi qui connais bien le parcours par cœur. Et bien là on va monter au refuge de Saradets. Voilà, on est parti pour 7 heures je pense. 7 heures de route. Là? Ça marche? Ici là? Ouais. Tout au fond, c'est lumineux sur le flanc droit. Enfin, le dénivelé positif aujourd'hui ça va être quoi? 1250 mètres. Et après on sera, ce sera plus simple ou plus dur? Après ça descend, j'ai combien? Oh putain. Oh chier. Adrien, qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Pour ton premier jour? T'as l'air d'un con avec des bâtons, hein. Je vois, tu t'en sors pas, non? Ceux qui sont en campement, qui plantent une tente, eh ben ils n'ont pas le droit de prendre une douche parce que l'eau est limitée. Donc du coup, je suis obligé de me limiter à ma gourde, mon savon de Marseille. Et puis voilà, on fait avec les moyens du bord. On est où là? On est à la brèche de Roland, enfin on va arriver à la brèche de Roland. C'est ça? Ouais. 2807 mètres. 2807 mètres. Et en fait, cette nuit, on a dormi ici, qui s'appelle le refuge de Saradets. Saradets. Et on va. Après, notre parcours, ça va être quoi? Moi, je pose des questions à la con. Hein. Ouais. C'est pas grave, je vais le faire. Enfin, pour une fois, je vais autoriser. Voilà, c'est bon. Allez, c'est bon, je te laisse parler. Après, là, on bifurque. Ouais. On va au taillon. Au taillon. 3144 mètres, les amis. Et une fois qu'on est en haut, après? Eh ben, on saute. On saute. Parachute. Il y a des mecs qui nous attendent là-bas. Ouais, tout est prévu. Il y a Mike Horn qui nous attend là-bas. Il va rire. Ouais, ils nous attendent depuis hier. Et lui, il fait du bivouac là-haut. Là, on redescend après. On redescend, ouais. Et on va en Espagne. Enfin, on sera déjà en Espagne, mais. Ouais. Et on redescend sur Gorize, au refuge. Okay. Voilà. Bon, et ben, allez. Allez, à bientôt les amis. À bientôt les seuls. Le taillon, 3144 mètres. Ouh.
plaisir. C'est quoi là? On va où? Et on va grimper le monde perdu. Là. Combien de mètres de dénivelé? En positif. 1155. Voilà, on y va. Allez, faut avoir le moral. C'est là. Attends. Tu penses aussi. Là c'est pour tu les crois? Ah non, ouais. Marc, il est balisé. Ouais, mais il est balisé par rapport au... Okay. Le mont perdu. On a pas peur. Dans la butte, hein, on va taper dans une grosse butte qui s'appelle le Mont Perdu à 3355 mètres d'altitude. Ça va? Je me tourne pour fumer en fait. Le Mont Perdu est le troisième sommet le plus haut des Pyrénées. Juste devant lui, il y a le Posé, 3375 mètres, et le Pic d'Aneto, 3404 mètres. L'ascension du Mont Perdu nécessite un certain physique, et elle jouera sur votre moral et sur votre corps. On l'a fait, mec. On y est. Le Mont Perdu. Ça me fait serrer les fesses. Hein? La descente, elle me fait serrer les fesses. Ouais, mais c'est difficile en fait. Hein. Marcher dans les cailloux, on n'a pas de prise. Le cardio, on en parle pas. On n'a pas de sac, on a laissé les sacs en bas. Avec nos sacs de 5, de 15 kilos, c'était mort. On n'y arrivait pas. Il y avait personne avec un sac de 15 kilos, il y avait que nous. On les a laissés en bas. Les gars, on est pas bien là? Alors on est bien là, ouais. Il est nécessaire de limiter le poids de son sac dans ce genre de randonnée. Mais le passage entre l'étang et le lac glacé, juste à ce niveau-là, je vous recommande d'avoir une corde avec vous. Elle permettra de pouvoir descendre vos sacs et vous libérer le dos et vous permettra de diminuer fortement tout danger potentiel.
étape très difficile. Je dirais plutôt extrêmement difficile. L'ascension du Mont Perdu, elle nous a pas laissé indifférents. Elle nous a offert une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées, mais aussi une fatigue monstrueuse. Nous avons besoin de nous reposer, il est grand temps de s'allonger. C'est le matin, on est bien. Le soir, on est beaucoup moins bien.